Ce projet d'extension de l'usine Panhard dans le 13e arrondissement de Paris, et c'est d'abord un projet de création d'un espace de bureau, une réflexion sur la manière dont on travaille aujourd'hui, le besoin de se voir, de se rencontrer, de sentir qu'on peut travailler seul, qu'on peut travailler en petits groupes, la création d'espaces de vie communs, que ce soit une cafétéria en rez-de-chaussée, des lieux de rencontre, de repos, de croisement, formel ou informel. Donc, tout ça a prévalu à notre travail qui s'est déployé à la fois dans les anciens locaux de l'usine Panhard que nous avons restructurés, transformés, et en même temps dans des parties nouvelles, des extensions au nord de l'usine historique et puis au sud, cette pointe sud entre les rues nationales et l'avenue d'Ivry qui donne en limite du boulevard Masséna, là où se trouvent les stations de métro, de tramway. On est donc à Porte d'Ivry, on est dans une porte de Paris et l'idée de recréer une porte de cette terminaison d'îlots est marquée donc par ce grand portique qui se développe sur toute la hauteur du hall. Le deuxième sujet important, c'est la manière dont on partait d'un existant très fort, un bâtiment du patrimoine industriel du XXe siècle qui est intéressant à la fois par la qualité de son écriture et en même temps par la simplicité des espaces qu'il offrait, le grand plateau avec de grandes hauteurs sous plafond et dans lequel on est intervenu de manière très minimaliste puisqu'il s'est agi d'abord de faire un grand atrium, un grand puits de lumière au centre de ce bâtiment qui met en communication physique et visuelle l'ensemble des niveaux, l'ensemble des plateaux et qui apporte de la lumière dans tous les espaces de travail. Et puis il fallait agrandir ce bâtiment et donc on a comme complété le bâtiment initial, au nord et au sud, par deux ensembles qui viennent caler, qui viennent former un cadre à ce petit joyau qu'est le bâtiment historique. On se trouve ici donc à la pointe du bâtiment, à l'angle de l'avenue d'Ivry et de la rue Regnault, qui sont les deux façades de la pointe qui referment l'îlot et qui reproduisent la trame de la façade existante de l'usine. Ça permet d'avoir des grands espaces en double hauteur et d'avoir donc ces grandes baies vitrées qui donnent directement sur la ville. Le parti que nous avons pris est un parti de grande simplicité, de respect par rapport à ce bâtiment, avec l'idée d'écrire la suite de la musique, la suite de cette partition, avec ses rythmes, ses matières, tout en étant dans une écriture très contemporaine. On a essayé de pousser la démarche industrielle en gardant le minimum de matériaux, retrouver évidemment le métal dans plusieurs applications, le sol, les luminaires, les garde-corps, et ensuite on est venu investir le bâtiment avec très peu de matériaux additionnels, le bois pour faire des bureaux fermés, un peu intimes. Nous sommes ici dans un de ces containers posés sur le toit de l'usine, bardés donc de cette tôle métallique ajourée, dont le motif est un prolongement poétique du jeu des chaînes, des toitures que l'on voit derrière nous sur l'usine historique, puisque le motif que l'on voit ici est en fait une photographie des chaînes, dont on a renforcé les contrastes pour créer des pleins et des vides. Et donc c'est ce jeu à la fois régulier et pourtant un petit peu déformé par le temps des tuiles mécaniques des chaînes qui a donc constitué ce motif que l'on voit ici et qui crée ce sorte de voilage qui donne plus d'intimité à ces lieux et en même temps qui filtre la lumière. On a eu l'occasion, ce qui est quand même assez particulier dans Paris, de développer un jardin et de pouvoir descendre la façade jusqu'à Rez-de-Jardin. Donc ça recrée un contact avec la rue. Et on a développé un jardin en déclivité qui permet d'avoir des espaces très agréables et paysagers. Ce projet est assez exemplaire d'une problématique de notre époque qui est que doit-on faire avec les terrains occupés par des grands bâtiments industriels, des usines, des entrepôts, etc.
Et on voit ici, on a voulu faire la démonstration que ces grandes architectures industrielles, en fait, peuvent être complètement transformées pour notre époque. Et c'est un des grands problèmes de la poursuite de la construction de la ville aujourd'hui. Puisque une ville comme Paris, avec tous les sujets du Grand Paris, est environnée de bâtiments de ce type. Et très souvent, on nous dit, ben voilà, pour refaire de la ville, il faut raser tout ça, construire avec les normes actuelles d'habitation, de bureaux, etc. On voit qu'on est à une époque où les modes de vie ont complètement changé justement par rapport aux pratiques d'il y a seulement 40-50 ans, qu'il faut réinventer des espaces pour travailler, pour habiter, pour se distraire, et que ces usines sont en quelque sorte un moteur d'invention. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce hall de Panhard s'appelait le hall des inventions, n'est-ce pas ? C'est là que Panhard mettait en place ses prototypes. Eh bien ici, nous avons voulu en faire un hall d'une invention, d'une autre manière de travailler. Et ça, on pense qu'il y a là, dans ce projet, une exploration de la façon dont on peut rêver de transformer merveilleusement tous les bâtiments présents dans cette région parisienne pour en faire des bâtiments adaptés à la vie moderne.